Le laboratoire de recherche et de développement Turbo Cyber Dino Tonic pour un lendemain plus compliqué. J'ai épuisé mes économies. Ça, c'est pas ce qui va me démolir la morale. Ouais, ben, j'ai vraiment une grosse faim. Je parie que c'est un complot mondial. Oh ! Attends une seconde. Curieux. Extrêmement curieux, oui. De quoi tu parlais? Ah oui, de complot. À échelle mondiale. J'ai même les preuves, si tu veux. Et tu sais que c'est pas bête, ça. On va chercher les chips. Tu as réglé le minuteur? Oui. Tu as appuyé sur le bouton? Oui. Tu es sûr que la porte est fermée? Bah oui. Tu as réglé le minuteur, dis-je? Sans vouloir être pessimiste, je te jure qu'il est cassé et on ferait aussi bien de remettre la pizza dans le réfrigérateur. Ah! Maintenant la porte est coincée! Écoute-moi, mon petit gars, j'ai le chic pour réparer les appareils électriques, moi! Oh, mon petit gars! On s'éclate! Génial! Oh, quelle chance! Quelle affaire! Ce que la fille est belle! C'est celui-là! Il me faut celui-là! Allez, va le chercher! Hé, le chien! Mais c'est à nous, ça! On l'a vu le premier! Non, mais... Enfin, c'est une blague ou quoi, hein? J'ai pas l'impression qu'il veut nous le rendre. Alors là, on a un petit problème, mon petit Arthur. Il n'est pas question non plus que je le rende. Hé, le grand débile bleu. Tu lâches tout, j'ai des projets pour le micro-ondes. Peut-être, mais nous avons, nous aussi, un certain nombre de plateaux repas à réchauffer. Bon, d'accord. Prépare-toi à affronter ton destin, grand nul bleu. Oh là! Qu'est-ce que... Au secours! Arthur est attaqué par du matériel électrique de premier choix! Oh, mais... Secours! Ah, gardons le sourire droit, le front haut et le sourire si doux. Ah! Oh, mais prenez ça, objet du soi-disant confort moderne, et puis ça, et encore ça! Et voilà, le mal l'emporte encore! Ça, et encore un petit coup comme ça! Ah, super zéro! Héros! Je crois que tu peux arrêter maintenant. Avec un cordon pareil, ça doit être un très bel engin. Et comment vous comptez payer? En liquide, en chèque ou en carte de crédit? Une carte de crédit, c'est vraiment la seule solution. Je commence à me demander si on n'a pas dépassé le stade du simple vol à l'étalage. Le mal est là. Oh, le réservoir de la ville. Si je contrôle bien ma chute, je tomberai dans l'eau. Il suffit que je joue avec mes muscles pour réussir la chute parfaite. Je sais qu'on va en parler dans les chaumières. Ah oui, oh, ça se présente très bien. Quoique...
super héros, tout va bien? Physiquement, intellectuellement... Alors dépêche-toi, saute dans le taxi. Je peux voir le robot, on peut encore le rattraper. Il faut maintenant que je m'arrache à ton étreinte réconfortante, mère nourricière. Le devoir m'appelle. Quatre, cinq, six, et voilà. Bon, merci. Oh, quel est ce monstrueux repère? C'est curieux, c'est vrai, c'est si douillet. Bonjour, bonjour. Je vous en prie, entrez, nous vous attendions. Le petit chat a toujours été anormalement génial. Un peu trop génial, disaient les voisins. Bon, voyons si on a compris pour une fois. Vous êtes les gentils parents de ce petit voyou qui possède ce chien robot. Vous parlez de Skippy? Oh, c'est le gentil petit chien que nous avons donné à Charles pour son anniversaire. On espérait qu'il l'empêcherait de faire les choses monstrueuses qu'il adorait faire. Mais Skippy a malheureusement eu un accident en courant après une voiture. Il avait la fâcheuse habitude de courir après les voitures qui passaient à proximité. Ah, je crois comprendre d'où vient ce problème. Merci, c'est exceptionnel. Oh, je vous en remercie. Mais ça n'a pas démoralisé Charles, qui a réussi, avec quelques morceaux, à procéder à une transplantation du cerveau, et Skippy s'est retrouvé comme neuf, avec une petite différence. Il a eu l'idée de le faire à lui-même. Je parle de la transplantation de la calotte transparente. La calotte transparente? C'est vrai, vous ne connaissez pas Charles. Il y a des jeunes qui se font percer les oreilles, d'autres se font l'arrêt au milieu. Charles, lui, aime qu'on voit son cerveau. Vous voulez une autre petite glace? Oui, s'il vous plaît. Oui. Charles, danger! Le grand nul parle à papa et à maman! Alors, ça va m'agacer, ça. Et ça, c'est Charles sur sa couverture préférée. Est-ce que ce n'est pas mignonnet, ce spectacle? Ou est-ce que vous êtes devenu insensible? Non, mais c'est pas vrai, je supporte pas qu'elle raconte ses histoires. Je vais y mettre fin tout de suite! Le Super Zéro doit aller jouer les nuls ailleurs! Bon, je vais être franc, je crois que, basiquement, vous avez un brave petit gars. Il a l'esprit un peu plus tordu que les autres, mais il a quelque part un bon fond, et je crois que les difficultés qu'il traverse peuvent sûrement être réglées par un gros câlin. Oh, je ne crois pas que le problème soit là. Oh, un gros câlin! Tu ne vas quand même pas faire du mal au petit lapin. Mais ça n'est pas un lapin, c'est une mythe et je n'en veux plus non plus. Non! Amélia, il faut que je t'explique un peu le rôle du méchant. Pas question, merci, je veux plus d'explications. Charles, tu es là-dedans? Moi, le pou, j'ai trois mots à te dire. Bonjour, bonjour, mon petit bonhomme. Ne me traite pas de petit, grand nul bleu. Oh, allons, allons, il ne faut pas se fâcher. Faut être lucide, mon petit. Je suis un super-héros, un vrai, un grand, un beau. Mais je crois savoir que tu te ronges les neurones. La préadolescence est une période difficile pour tout le monde. Oh, mais bien sûr, et grosse larve. Une petite seconde que je me mette en forme. Et alors, tu bouges pas d'ici, super-zéro. Je reviens tout de suite. Je crois que ça marche comme sur des roulettes. J'ai vraiment le coup, moi, avec les jeunes. J'espère que c'est pas le même coup que le micro-ondes. Tu sais que ton pessimiste te perdra un jour. Non, l'horreur, 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 voilà ton leurre. Oh, ce que ça peut faire du bien de faire du mal. Oh. Projeter la lune sur la terre. Le chien, tu vas me transformer ces deux imbéciles. Du calme, Arthur, les animaux sentent la peur. Laisse-moi lui parler. Tiens, 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 comment on se retrouve? Mais c'est Skippy, je crois. Il est sympa, ce joujou. On dit qu'il y a du nouveau dans la fabrication des jouets en caoutchouc. J'ai l'impression qu'on va regretter qu'il n'ait pas gardé le jouet dans la bouche. Attention, les grands nuls. Vous savez que vous m'avez poussé à dépasser les limites du mal. Et je dois vous remercier de votre ténacité, parce que seul quelqu'un d'aussi diabolique peut faire sortir la Lune de son orbite et la projeter sur la Terre. On n'a
Derrière le chien, couchez le chien. Derrière le chien. Oh, il va le faire, il va projeter la lune contre la terre, regarde. C'est vraiment un monstre. Pas de panique, mon petit gars. C'est sa façon d'appeler au secours, mais c'est tout bête. C'est un appel pour un petit câlin. Ne t'inquiète pas, Charlie Doo. Il y a quelqu'un dans ce monde insouciant, mais qui te comprend très bien et qui est prêt à t'aider et qui est prêt à te faire un tout petit câlin. Non, non, il me donne la chair de poule. Non, enfin, je ne le laisserai pas me gâcher ce grand moment, parce que je suis au-delà de moi-même dans la méchanceté. Donc je n'ai qu'une chose à faire, mettre mes mains sur les hanches et éclater de rire. C'est ça, vas-y, ris avec moi. Des rats de marée sont signalés partout dans le monde. Un vent de panique souffle dans les rues. Nous avons la confirmation que la Lune a quitté son orbite. Et elle se dirige droit sur la Terre. C'est la fin. C'est la fin. Chérie, je me demande si le petit n'est pas allé un peu trop loin. Oui, chérie, je crois que tu as réussi. C'est peut-être le moment de montrer notre autorité parentale. Charles, Charles, tu remets la Lune à sa place, s'il te plaît. Écoute ton père, mon minou, il a raison. Non. Charles, j'ai dit remets la Lune à sa place. Eh bien, j'ai dit non. Charles, papa et maman sont très déçus par cette attitude un peu trop butée. Mais comme nous sommes pour des nouvelles relations entre les enfants et les parents, nous sommes sûrs que tu sauras prendre les dispositions nécessaires. Il va projeter la Lune sur la Terre et vous le laissez prendre ses dispositions tout seul. Vous n'avez pas d'enfants, n'est-ce pas? Il faut toujours essayer de se mettre à leur place pour mieux comprendre la situation. On est plus au Moyen-Âge. Certain que le souhait de Charles de projeter la Lune contre la Terre est une période normale de sa croissance. Il suffit d'attendre que cette phase soit terminée. J'espère que c'est pour bientôt. Alors, ne soyez donc pas en retard pour le dîner. La situation pourrait être Arrête. Allez, couchez. Vilain chien. Pas bon le chien. Oh, qu'il est laid, le chien. Non, arrête de jouer avec eux, Skippy. Il faut en finir et après je te récompenserai avec une nouvelle série de jouets. Oh, la logique de ce petit me décoiffe un peu. La Providence, une fois de plus, me fait un gros clin d'œil. Il faudrait que je puisse atteindre l'objet de la profonde affection de Skippy. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Oh là. J'avais plus rien. Allez, mon grand, on a envie de jouer. Tu veux faire joujou? D'accord. Le petit chien! Et là, attention! C'est le moment de changer de jeu! Terminez les dentistes, terminez les piqûres, terminez les devoirs! Charles! Danger! Quoi? Oh! Comment oses-tu t'aventurer dans mon repère secret? J'ose parce que c'est moi, j'ose oser! Je sais, mais tu devrais le savoir maintenant. Non, est-ce que ça peut être agaçant ce côté vantard? Ah bon, ça ne te plaît pas? Non! Et depuis quand? Depuis toujours. Ah bon, alors dans ce cas, tu remets la Lune à sa place tout de suite ou je me fâche! Tu vas m'y obliger? Mais te rends-tu compte que tu vas détruire la Terre? Et désolé, le Super Zéro, on peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. C'est bon de faire du mal! Mais je suis prêt à casser quelques œufs avec toi, petit vaurien! Non, le gros nul bleu, on s'attaque à un plus petit que soi! Oh, je pourrais descendre de ce train, s'il vous plaît? Le chien, détruis-le. Oh, mais non. Continue. Je n'ai qu'une microseconde pour intervenir. Réfléchissons bien. Je pourrais... Oh non. Ou alors je peux... Non, mais... Si. Non, ça marche que sur les canards ou sur les poulets. Mais tant pis. Le chien, c'est toi le chien?
Oh, ça fait du bien, un petit peu d'air frais. J'en avais perdu l'habitude. Le chien, Skippy. Ah, ben ça va comme tu veux. Oh non, pas de panique, Skippy. Je vais te sauver. Voilà, j'espère que ça va marcher. Il le faut. Skippy, Skippy, dis quelque chose. Ça y est, Skippy est sauvé. Youpi! Arthur, je sais que c'est un grand moment de réconfort, mais peut-on le troubler? Je peux tout de suite te dire que tu vas avoir des problèmes. Le prix de ce nettoyage sera déduit de ton argent de poche de la semaine. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça va durer une dizaine d'années. Dix ans. Mais maman, comment je vais reconstruire mon laboratoire? C'est pas juste parce que c'est sa faute à lui. Oh, si renforcer les liens d'une brave famille de citoyens, c'est une faute, dans ce cas, je crois que mon imposante stature en assumera la responsabilité. N'est-ce pas, Arthur? Je crois, oui. Oh, oui, bien sûr, parce que l'unité de la famille est la colle, le ciment, le papier collant qui permet à notre société de s'enraciner pour les siècles à venir. Il faut remercier la Providence de nous avoir apporté la couverture que nos petits cœurs n'hésitent pas à partager. Alors, petit bonhomme, est-ce qu'on a compris la grande leçon? Ouais, je crois que oui. C'est parfait. Ah.